Kyoto, au Japon. Je lui laisse la parole. Merci. Donc ça s'appelle Les petits écrits. Je voudrais citer d'abord quelques titres parmi l'importante bibliographie des articles de Pierre Pachet non repris en volume. Platon le drogué, Bruit de pied, La virtuosité, La médiocrité, Saint-Étienne, mai 1944, Torpille, Voyager nulle part, Le temps de bâcler, Voter avec ses pieds, Le repos du savant, Existe-t-il un droit de mentir? Juin cruel, Le monde est fou. Il était fier de savoir faire un livre. Il pensait qu'il y avait un savoir-faire propre au livre que tout le monde ne possède pas. Il a écrit L'essai vise au livre. Mais dès lors que le livre n'est plus un idéal à atteindre et que l'auteur continue à pratiquer les petits écrits, ces derniers revêtent une qualité positive. Sans les surévaluer par rapport au livre, force est de constater l'extraordinaire richesse, la diversité et la liberté des articles de Pierre Pachet. Il y a une tradition éditoriale qui appelle petits écrits les textes de Kleist qui n'entrent dans aucune autre catégorie. Ce sont des textes très variés, le plus souvent journalistiques, aussi bien des poèmes, des anecdotes que de petits essais philosophiques. Pierre Pachet appréciait beaucoup l'élaboration de la pensée dans le discours. Kleist y insiste sur l'audace des idées non préméditées, suscitées par le contexte et par l'auditoire. Pierre Pachet disait que ses propres interventions orales, ses cours, ses conférences, avaient l'air improvisées, mais qu'elles étaient très préparées. En fait, il y avait un équilibre savant, un équilibre dynamique entre la matière prévue et la libre inspiration du moment. On pourrait dire que les petits écrits sont des constructions équivalentes à des discours. Ils ont souvent la vivacité et la brièveté d'un discours, au contraire des livres qui supposent une construction et une temporalité différentes. On connaît la citation de L'œuvre et des jours. La littérature est pour moi liée aux idées, à la capacité d'avoir des idées, et non au langage, à la langue. On pourrait mettre l'hypothèse que les petits écrits supposent moins l'élaboration des idées au pluriel que d'une idée. On pourrait expliquer la persistance et la multiplication des petits écrits, malgré l'écriture des livres, par le fait que Pierre Pachet avait un réservoir d'idées, de par ses lectures, son expérience, sa mémoire, un réservoir naturellement de plus en plus rempli, ce qui lui permettait de répondre à des sollicitations, de profiter des occasions de la réflexion pour appliquer le titre du numéro de critique sur lui au contexte professionnel. Un colloque sur tel écrivain, un numéro sur tel sujet, ah oui, j'ai peut-être une idée. Comprendre, j'ai une idée originale sur le sujet, je vais essayer de la retrouver, de la développer, si l'occasion se présente bien. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas une différence importante, par ailleurs, entre la communication et le petit écrit. Quand Pierre rédige lui-même un article à partir d'une séance de séminaire, cela fait 3 pages. Si l'on retranscrit un enregistrement, cela fait 20 pages. Le texte rédigé par Pierre semble être écrit comme il parlait, avec une liberté de ton et des mots simples ou familiers. C'est un discours, si l'on veut, mais écrit, ramené à l'essentiel. L'idée développée à l'écrit, ça peut être une sorte de dissertation, au sens où en quelques pages, une thèse, une idée est développée, discutée, des exemples sont donnés, comme dans l'exercice scolaire, dans ce qu'il a de meilleur. On pourrait prendre comme exemple Vie sans amour, comme on l'a vu, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est le résultat d'une idée longtemps conservée en soi, et qui permet justement de comparer le petit écrit, publié dans la Nouvelle Revue de Psychanalyse en 1914, et le livre Sans amour. Pardon? 1914, non.
1994, excusez-moi, et le livre Sans amour de 2011. Le petit écrit est très beau, mais il a en quelque sorte les imperfections d'un exercice intellectuel. Une première partie sur les textes grecs, sur le mot érotique et sur la faculté d'aimer ou d'être aimé, et une seconde partie, si je puis me permettre, un peu hors sujet, sur Anna Karénine, d'ailleurs des idées qu'il reprendra ailleurs dans un autre contexte. Ce n'est que dans le livre de 2011 que l'idée est maîtrisée, décomposée, incarnée dans des personnages réels et dans une expérience personnelle qui contribue à former un livre, à justifier le livre et à susciter l'intérêt d'un public non spécifiquement intellectuel. J'ai cité Kleist comme point de comparaison, mais on pourrait citer beaucoup d'autres auteurs, et surtout tout un réseau de relations et d'influences réciproques dans le cadre des revues et des complicités professionnelles. Sur ce dernier point, il faut citer les Cahiers du chemin de Georges Lambrix, à la fin des années 60 et au début des années 70, Le nouveau commerce d'André Dalmas et Marcel Fonfred, surtout dans les années 70, mais encore après, ponctuellement, dans les années 80-90. La revue Passé-Présent, au début des années 80, dans un rôle directeur, avec notamment Claude Lefort, Claude Mouchard et Miguel Abinsour. Le temps de la réflexion, puis la nouvelle revue de psychanalyse de Pontalis, dans les années 80-90, sans compter les contributions plus ou moins fréquentes pour la revue Critique ou Esprit, et sans parler de la Quinzaine littéraire et En attendant Nadeau. Il ne faut pas oublier non plus que beaucoup de petits écrits, parfois très précieux et méconnus, sont confiés, j'insiste sur le mot « confié », avec ce qu'il implique de confiance, à des volumes collectifs, des revues diverses, au gré de collaborations de plus en plus libres à partir des années 90. Pour brosser à grands traits l'évolution de ces textes, qui n'est pas indépendante des livres, bien sûr, je dirais que la période Cahiers du chemin et Nouveau commerce est caractérisée par une écriture singulière, voire énigmatique dans certaines formulations, et qu'après une période d'abstinence assez nette, correspondant à la publication de « De quoi j'ai peur » et à des travaux critiques, mais aussi à certains voyages et à une certaine forme d'engagement, les petits écrits reparaissent avec une exigence de clarté plus grande, sous une forme éthique nouvelle, plus tournée vers le commun que vers le moi particulier. Mais que le sujet singulier de l'écriture revient, à la suite de l'exploration des phénomènes de conscience et de l'expérience vécue, avec une liberté toujours plus grande dans le ton et les sujets abordés. Excusez-moi. En témoigne un autre texte de la nouvelle revue de psychanalyse, intitulée « Torpille » au pluriel, qui date de 1989. Pierre Pachet y fait référence à un texte de Paul Bouissac, publié 20 ans plus tôt dans les Cahiers du chemin, dans le même numéro que Platon le drogué, d'ailleurs, de Pachet, et ceci n'est pas une pipe de Michel Foucault. Donc je cite assez longuement cette référence, qui me semble intéressante parce qu'elle fait le lien entre deux périodes de la pratique que je dirais plus littéraire, de Pachet. Paul B., qui avait l'accent bordelais et d'inquiétants poils noirs sur le dessus des doigts, connaissait des états d'excitation intense, presque maladive. Il en donna un aperçu dans un texte ironique et trop peu remarqué, « Description des petits états réflexifs », dont l'auteur se montre visiblement capable d'approcher ce qui fait peur dans l'excitation. Détaché de tout, neutre, voisin du non-agir, le petit état réflexif, malgré l'atténuation du petit, laisse voir la charge agressive dont il est porteur.
L'excitation dit être une grosse boule suspendue dans le vide qui roule et palpite sans toucher à rien. Et Pachet de conclure, l'excitation ainsi respectée et déconnectée dans un pur nihilisme devient comme une Porsche que l'on utiliserait à croiser paresseusement sur la Via Veneto. À contre-courant de cette conception de l'excitation comme pure perte, l'idée de Pachet réside dans le titre, Torpille, qui suggère l'unité de l'excitation et de la torpeur. Pachet décrit ainsi l'état de quelqu'un qui sort de son lit, réveillé par l'excitation. Je cite, il ne se transforme pas tout entier en caféine. Plus il est concentré sur son excitation, se consacrant à elle, plus il paraît, vu de l'extérieur, somnolé. C'est la marque de sa réussite à contenir en lui-même l'agitation à laquelle il donne champ libre dans un lointain intérieur. Allusion, bien sûr, à Michaud. Cette réussite consiste précisément à contrôler l'intensité, à tenter de transformer, tenter parce que s'il n'y a pas pure perte, il n'y a pas pour autant pur gain, le petit état réflexif en petit écrit. Ce texte suggère bien, non sans un point de vue critique, le rapport du corps et de la pensée dans l'impulsion qui donne naissance à la forme brève. À côté des petits écrits, ou parmi eux, les notes de lecture, les comptes rendus critiques, occupent bien sûr une place très grande, quantitativement et qualitativement. Dès les cahiers du chemin, Pierre Pachet publie des comptes rendus importants, par exemple sur papier collé de Georges Perros, dans la rubrique « Autrement dit », qui fait écho à sa propre pratique et qui l'inspire réciproquement. On sait que Pierre Pachet, on l'a dit, est un critique de premier plan, qu'il a écrit de nombreux comptes rendus tout au long de sa carrière, ainsi que plusieurs livres de critique, avec diverses extensions qu'on peut donner à ce mot de critique, d'un sens purement critique littéraire à un sens plus politique, voire psychologique. Il était conscient, je dirais, en tant qu'écrivain, de la spécificité du livre de critique, comme recueil d'articles spécifiquement composés. On pourrait poser et étudier le problème du rapport entre les notes de lecture et les livres de critique. Au centre de la bibliographie, il y a un double texte paru dans Esprit en 1989-1990, intitulé « Qu'est-ce qu'un critique ?» et « Remarques d'un critique suite ». La différence de titre indique un glissement énonciatif et thématique. Le premier volet se termine par ces mots « à suivre, peut-être ». Malgré son sujet, ce texte est l'œuvre de l'écrivain plutôt que du critique. Dans le premier volet, il explique que faire de la critique, ce n'est pas exercer un pouvoir, manifester une supériorité par rapport au livre et au lecteur, posséder une mémoire totale de la bibliothèque et assimiler toutes les publications. Car le critique, je cite, travaille à chaque fois pour tous les livres, y compris pour les livres qu'il n'a pas lus ou pas encore. Il se soumet à ses lectures, il donne au livre, je cite encore, le droit de le mettre en défaut, d'ouvrir devant lui des espaces dont il ne soupçonnait ni l'existence, ni même la possibilité. Il montre ainsi que lire est possible. Dans le second volet, il se réfère à la lecture de l'article du Figaro dans le roman de Proust, dans la Bertine disparue. Il imagine ce que pourrait être de lire et de juger son propre livre, comme si ce n'était pas le sien. Cela pour concevoir l'idée inverse qu'il définit comme l'idéal du critique. Lire le livre d'autrui comme si c'était son propre livre. Je cite. Ou bien
je suis l'auteur de ce que je dis, ou bien j'ai eu la chance de comprendre en profondeur la page que je viens de lire. Cela arrive. C'est rare. Donc, ça, c'est un peu difficile. Je serais tenté de le comparer avec ce que dit Poulet de la conscience critique. Et ce matin, on a vu une référence qui permettrait peut-être d'aller dans cette direction, mais plutôt pour opposer Pachet et Poulet. Voilà, je vais m'arrêter là parce que le temps est épuisé. J'aurais voulu aborder d'autres catégories, par exemple les textes qui flirtent avec la fiction et les textes d'actualité, mais on en a parlé ce matin et j'espère que cela va vous inciter à lire tous ces textes. Merci.